Et c'est reparti pour le rendez-vous des décideurs IT édition 2021. On est parti pour l'après-midi de cette première journée qui est dédiée aux solutions software. Je vous fais un rapide sommaire de ce qui vous attend cet après-midi. On va commencer donc dans quelques instants à 14h avec un workshop qui vous est proposé par Kaspersky. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont des cibles potentielles. L'EDR permet d'être proactif face aux menaces. On enchaînera avec un workshop proposé par Microsoft 365, quels sont les nouveaux enjeux des organisations avec le travail à distance. On enchaînera avec Veeam, un workshop donc proposé par Veeam, pourquoi et comment protéger ces données même dans le cloud. Puis ce sera autour d'un workshop proposé par VMware sur la question comment créer une expérience fluide pour les collaborateurs. Et on finira avec un workshop qui s'intéressera de manière un peu plus générale aux missions de consulting pour vous aider à y voir plus clair. La deuxième partie de la journée du rendez-vous des décideurs IT 2021, c'est parti. Et un premier workshop sur le thème de la sécurité. On va parler plus précisément de EDR, alors avec un bel accent anglais, Endpoint Detection and Response. Les entreprises ont dû faire face à la nécessité de se réorganiser rapidement en télétravail. Donc on en parle depuis ce matin. Ça a été en lien avec la pandémie et donc notamment mesures de restriction qu'on a connues en France en mars 2020. Et les entreprises aujourd'hui réfléchissent à des modes de travail hybrides. Mais cela a pu avoir comme conséquence d'ouvrir des brèches de sécurité dans la gestion de l'urgence, puis à un peu plus long terme. Comment, dès lors, penser une stratégie de moderne workspace à long terme en prenant en compte ces enjeux de sécurité? Nous en parlons avec Bertrand Trastour, général manager France et Afrique chez Kaspersky. Bonjour Bertrand Trastour. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes accueilli par un dessin que l'on voit à l'écran. Si on se parle aujourd'hui, c'est... D'ailleurs, on s'est un petit peu parlé avant ce workshop et il y a un mot qui vous plaît plus du tout, c'est le mot antivirus. Donc on commence par ce mot-là. Alors, un antivirus, aujourd'hui, ça ne garantit plus une sécurité en fait, au sein de son entreprise. L'antivirus, je dirais, est mort. Aujourd'hui, on va vers des technologies qui sont beaucoup plus pointues, et ce, déjà depuis bien longtemps. Hein. On ne parle plus, enfin moi, je ne veux plus qu'on parle d'antivirus depuis au moins 7-8 ans, puisqu'on est sur des technologies aujourd'hui qui sont beaucoup plus intelligentes, qui sont capables d'anticiper un certain nombre de menaces. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, on va vers l'EDR, donc comme vous le mentionnez, qui est à la fois la détection et la réponse à l'incident. Et ça, ça va faire l'objet de notre discussion. Alors, vous allez nous détailler hein, l'Endpoint Detection and Response dans quelques instants. L'EDR, juste avant, pour bien comprendre, la menace, elle a évolué en fait. On n'est plus sur un virus envoyé, hop, mon antivirus là dans sa base de données, c'est réglé. Désolé, j'y reste, hein, mais on est sur des niveaux de maturité différents sur le sujet. Donc là, il faut comprendre en fait contre quoi on se bat avant effectivement d'expliquer comment on se protège. La menace, elle est polymorphe. Donc aujourd'hui, aussi bien que l'on soit une PME, une TPE ou un très grand compte, on est face aujourd'hui à des acteurs qui sont malveillants, étatiques, qui peuvent être des acteurs de cybercriminalité, donc liés à des mafias, hein, faut poser les mots. Bien sûr. Ce sont des gens qui sont là pour capter de l'information, capter de l'argent, vous rançonner, hein, ça c'est une des méthodologies, mais en tout état de cause, ils sont là potentiellement pour nuire à l'entreprise, à son image, voire à vous handicaper lorsque vous êtes sur une activité de production ou même dans votre image, dans votre communication. Donc si je comprends bien, il y a une notion de cible dans ce que vous nous dites, c'est que si on est sur quelque chose d'étatique, bon bah là on comprend qu'on veut stopper quelques activités clés. Si on est sur du ransomware, bah, on va cibler des gens qui peuvent potentiellement, ou on imagine qu'ils peuvent payer, ou alors, enfin on est sur une entreprise peut être ciblée aujourd'hui spécifiquement parce que c'est l'entreprise et l'activité concernée. Bien sûr, bien sûr. aujourd'hui, nous, ce qu'on a vu ces derniers temps, ce n'est pas une augmentation des attaques, c'est plutôt le ciblage des entreprises qui ont eu lieu ces derniers temps, ces dernières années. Le confinement, on a vu aussi certaines entreprises un peu plus ciblées. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on peut cibler un grand groupe qui, lui, va avoir une tendance, avec des budgets IT beaucoup plus conséquents, à avoir mieux anticipé la menace,
tant dans son organisation, dans sa gouvernance, dans les outils qui sont mis en œuvre, dans la formation de ses personnels, mais de cibler également des acteurs, je dirais, de fournisseurs, des partenaires économiques de ces grands groupes, qui sont plutôt des PME, et qui là, par contre, parce que moins avertis sur le sujet, parce que moins de compétences, moins de financement, ont peut-être anticipé un peu moins la menace, et donc les attaquants vont identifier en effet les partenaires économiques, les cibles potentielles, pour arriver à la cible finale qui est peut-être le grand groupe du CAC 40 ou du SBF 120 qu'ils vont cibler. C'est intéressant ce que vous nous expliquez, parce que du coup, moi j'ai ouvert ce workshop sur cette notion de passage au travail à distance de manière généralisée, ouverture d'un certain nombre de brèches. Mais c'est en fait à contextualiser dans un environnement qui de toute façon est menaçant si on n'est pas protégé, et où il faut faire attention non plus, enfin où il faut faire attention à l'entreprise, mais également à tout un écosystème, un environnement. En fait, ce que vous nous dites, c'est que dès qu'il y a une mini porte ouverte, il faut faire attention quelque part. Oui. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, il faut être paranoïaque. D'accord. On en a tous notre dose dans la cybersécurité. En même temps, vous travaillez dans la sécurité, ouais, c'est un fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est toute entreprise aujourd'hui est potentiellement une menace. Alors quand je dis entreprise, je fais un raccourci, mais potentiellement aussi les collectivités locales, territoriales, ministères, toutes les agences gouvernementales sont potentiellement des cibles ou soit peuvent être ciblées, soit par rapport à un dégât collatéral peuvent être atteintes et voir leur système d'information handicapé ou complètement annihilé. Et alors, du coup, il y a eu ce passage en télétravail. Donc, on part du postulat que les entreprises étaient quand même globalement protégées avant, même si j'imagine que pour un acteur de la cybersécurité, on n'est jamais assez protégé ou on n'anticipe jamais assez les menaces qui peuvent arriver. Pour autant, du jour au lendemain, des milliers, voire des millions de collaborateurs se retrouvent chez eux, connectés à leur box ou à leur téléphone en 4G, parfois à partir d'un ordinateur personnel. Quand on travaille dans le monde de la cybersécurité, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit des millions de brèches potentielles qui s'ouvrent pour l'entreprise. Alors, il y a deux choses. Il y a les brèches, il y a l'organisation. D'accord. Je vais commencer par l'organisation. Ce qu'on a pu voir, on s'en souvient tous, c'est récent, hein, mars 2020, c'était il y a un an. Du jour au lendemain, on nous dit vous prenez les PC, vous rentrez chez vous. Alors, moi, je suis un nomade, probablement vous aussi, beaucoup de gens. On a le PC, on a des stratégies de sécurité qui font qu'on peut se connecter de notre box à la maison, on a un tunnel VPN. Bon, voilà. En gros, on peut travailler. Il y a beaucoup d'entreprises d'entreprises étatiques où on a des collaborateurs qui ont encore des desktops. Donc des PC fixes. Des PC fixes, avec des stratégies de sécurité qui ne sont pas celles d'un mobile, parce qu'elles sont censées fonctionner dans le réseau. J'ai quelques exemples, je ne peux pas donner les noms, mais j'ai des exemples très précis en tête de clients et de grands clients qui nous ont appelés, parce qu'ils ont demandé aux collaborateurs de prendre les PC du jour au lendemain, de les mettre dans le coffre des voitures, de rentrer chez eux. D'accord, donc en fait, on débranche. Et de le connecter depuis leur box. D'accord. Je peux vous assurer, alors on a bien travaillé sur le sujet avec les équipes du support, mais pour remettre en place une stratégie de sécurité qui permette à ses collaborateurs de fonctionner, ça a été, vulgairement parlant, assez sportif. Oui, parce qu'on imagine que là, il y a la sécurité et puis il y a le faire comprendre le schéma de pensée. Voilà, c'est de l'anticipation. On a des dessins d'ailleurs qui illustrent un petit peu ce que vous nous dites. Donc là, le premier dessin, effectivement, les nouveaux modes hybrides et qui vont venir de manière plus précise c'est ça. Venir nous expliquer un petit peu ce que vous nous dites, ou en tout cas illustrer ce que vous nous dites. Donc, oui, un schéma de pensée à travailler. On avait des entreprises qui n'avaient pas du tout anticipé, de par leur métier, de par leur organisation, leur mode de fonctionnement, qui était naturel, de dire mais du jour au lendemain, on débranche tout et puis on essaie de continuer à la maison. Oui, donc, parce que finalement, la personne qui a dit on débranche tout n'était pas forcément la personne qui avait connaissance des enjeux de sécurité. Et puis la personne qui avait connaissance des enjeux de sécurité, pardon, elle avait, j'imagine, construit une forteresse autour de tous ces postes fixes en se disant il n'y a rien qui passe, c'est bon, on est tranquille. Voilà, donc il a fallu changer le braquet dans l'entreprise. Et ça, on a beaucoup d'entreprises qui se sont laissées, entre guillemets, surprendre parce qu'elles n'avaient pas forcément anticipé dans leur politique, dans leur gouvernance, dans leur façon de travailler. Alors, je pense que là, au bout d'un an et demi, nous, on n'a plus de questionnement de cette nature de la part de nos clients, de la part de nos partenaires. On est face, par contre, à des enjeux qui sont comment le collaborateur se comporte avec son PC à son domicile. Monte-t-il correctement son tunnel VPN? J'ose espérer que oui, maintenant. Comment il accède aux ressources de l'entreprise? Est-ce que ce PC est correctement mis à jour?
Et ça, on rentre dans des enjeux qui sont des règles fondamentales dans la cybersécurité, c'est d'avoir déjà un PC à jour. Et là, on se rend compte qu'on a encore un gros travail à faire. Mais et là, vous mettez le point sur deux choses, parce qu'avoir un PC à jour, ça dépend de l'entreprise. Le fait de monter son tunnel VPN soi-même, ça dépend du collaborateur en question, donc de l'entreprise en termes de formation. En général, s'il ne monte pas son tunnel VPN, il n'accède pas aux ressources de l'entreprise. D'accord, donc il y a quand même des garde-fous qui permettent... Il y a quand même des garde-fous, bon. Mais c'est, voilà, aujourd'hui, il y a une évolution des comportements. Les entreprises ont gagné en maturité aussi. Reste toujours, pour moi, avant de parler de l'outillage, donc EDR et autres outils de cybersécurité, un des premiers remparts, un des premiers maillons forts, souvent on parle du maillon faible, moi je préfère parler de maillon fort, c'est l'utilisateur. Mmh. L'utilisateur doit être formé. On doit quand même lui donner des notions, de l'évangéliser sur ce qu'est la problématique de cybersécurité, en quoi c'est important d'avoir des règles d'hygiène cyber de base, de ne pas cliquer sur tout et n'importe quoi. Et ça, on a beaucoup d'entreprises qui y sont allées. Il y a encore de gros travaux à faire. Et c'est surtout quelque chose qui doit rester constant. C'est-à-dire, on ne va pas dire, tiens, on va former quelqu'un pendant 3 mois, et puis on oublie, bon, OK, on l'a formé. C'est bon, il est formé, il sait, et puis il n'y aura plus de problème. En gros, c'est 5 mois après, on fait une tentative de phishing sur son poste pour voir comment cette personne se comporte, est-ce qu'elle a correctement intégré les mécanismes, je dirais là-dessus. Ça, c'est la première base. C'est aussi d'essayer d'accompagner les équipes IT de nos clients qui ne sont pas forcément des gens... qui sont formés à la cybersécurité, d'accord. Comment on leur donne déjà un premier niveau, un vernis cyber. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus en termes de demandes, PME entre autres. On a des formations, nous, en e-learning, qui permettent justement à des gens qui sont des ingénieurs réseau, qui font du déploiement du poste de travail, et de leur donner des éléments pour mieux comprendre ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils doivent faire si demain, oui, il y a un ransomware qui attaque un des postes de travail, quels sont les bons comportements à avoir. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel il faut appuyer avant même de parler d'outils de cybersécurité. Il faut bien former les gens, les monter en puissance. Les entreprises aujourd'hui, elles sont conscientes de ces problématiques-là, ou vous croisez encore des dirigeants d'entreprises qui vous disent « Oui, mais moi, mon entreprise est trop petite, je ne suis pas concerné ou ce n'est pas ma priorité ?» Non, je pense qu'il y a quand même eu une bonne évolution des choses. Après, sur les PME, on peut avoir encore ce genre de réflexion. Oui, mais pourquoi je serais impacté, je serais ciblé. C'est ce que je disais au début. Vous êtes le fournisseur d'un grand groupe. Peut-être que vous, en tant qu'entreprise, de par votre chiffre d'affaires, votre secret industriel, vous n'êtes pas le plus intéressant pour le hacker. Par contre, c'est peut-être le partenaire économique avec lequel vous traitez qui, lui, va être la cible. Et donc là, c'est... quelle va être la chaîne de compromission. Mais aujourd'hui, de ce que je vois, la plupart des dirigeants d'entreprise ont quand même bien conscience qu'aujourd'hui, il faut investir dans la cyber, que l'outil, leur outil industriel ou la propriété intellectuelle qu'ils ont, elle est conditionnée à un outil informatique maîtrisé et correctement sécurisé. Alors, on l'a évoqué de manière assez régulière là, depuis le début de ce workshop, c'est ces fameux ransomware. Donc ransomware, on peut redéfinir, je vais donner une définition caricaturale, puis vous me direz si celle-ci est vraie ou non, mais l'idée c'est d'envoyer en fait un petit bout de code, d'aller immobiliser une machine, et idéalement pour le hacker d'aller immobiliser tout un réseau ou tout un système au sein de l'entreprise, et de demander une rançon pour que l'entreprise puisse reprendre son activité ou récupérer ses données. Et on a vu en fait que ces attaques se sont multipliées, voire démultipliées avec le confinement. Et donc là, finalement, on est quoi? On est sur des attaques ciblées parce que gros chiffre d'affaires, donc potentiellement grosse rançon, ou en fait on envoie à tout le monde et puis on verra bien où est-ce que ça fonctionne? Alors, non, les ransomware, ça fait 8 ans que je suis chez Kaspersky. Il y a 8 ans, quand je suis arrivé, on avait déjà des outils anti-ransomware dans nos produits de base. On D'accord. avait déjà des briques qui étaient là. Ça, c'était déjà à l'époque plus pour répondre à un phénomène qui était plutôt la tentative, en effet, par de l'email, on va dire, générique, envoyé vers des millions de personnes pour essayer de rançonner les gens et de capter de l'argent. Bon. Ça faisait des dégâts, on avait quand même un certain nombre de moyens. Ce que l'on voit là ces derniers temps, c'est... La première chose, c'est ce qu'on appelle du phishing, c'est ça ? Alors, c'était basé entre autres sur des éléments de phishing, et puis après, voilà, vous cliquez, malheureusement, ça a téléchargé un bout de code, et derrière, on chiffrait la machine. Bon. Ça existe encore. Donc, vous recevez encore un certain nombre de liens de plus ou moins bien faits sur votre boîte aux lettres personnelle, vous en recevez. Dans l'entreprise, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est
plutôt, ça on l'a vu beaucoup sur le début du confinement, avec une augmentation majeure des tentatives d'accès sur les protocoles d'accès à distance. D'accord. Tout ce qui était les VPN, les gateways, entre autres le RDP, on a vu énormément de tentatives d'attaque pour rentrer sur les protocoles RDP, parce que ça permet justement de rentrer sur le système d'information de l'entreprise. Et là, une fois qu'on est à l'intérieur, on va pouvoir identifier la cartographie du réseau, identifier les bons interlocuteurs ou du moins les bonnes personnes, éventuellement de compromettre l'Active Directory. Et une fois qu'on a compromis l'Active Directory, on fait une élévation de privilèges. Et là, on va pouvoir aller déposer ces petites bombes logiques un peu partout, désactiver les outils de cybersécurité de l'intérieur. D'accord. Et à partir de là, vous faites sauter la banque et vous prenez en otage le client. D'accord, donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait, que ce qu'on avait. C'est plus le lien qui arrive et puis vous cliquez dessus et en effet ça va avoir des tentatives de chiffrement jusque sur les serveurs. Là aujourd'hui on parle d'une attaque en effet ciblée, c'est de rentrer par des vulnérabilités de l'entreprise. Et là on a vu beaucoup de vulnérabilités non patchées sur des VPN, sur des gateways. Et ça, ça a été le mode opératoire un des plus fréquents qu'on a pu voir ces derniers temps. Et puis une fois que vous êtes au cœur du système. Mais donc totalement transparent le jour où l'attaque a lieu finalement. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas forcément compte. Sauf si on a en effet un certain nombre d'autres outils qui peuvent, à un moment donné, vous commencer à voir les prémices de l'attaque. Donc il y a l'outillage, donc entre autres les EDR, qui vont avoir une capacité aussi à remonter si on commence à voir l'attaque, à pouvoir étudier ce qui se passe, à pouvoir identifier la chaîne de compromission et à pouvoir essayer de corriger, si l'on peut encore, ou au moins de remonter et d'éviter qu'on ait un trop gros trou au sein du système d'information. Alors Bertrand Trastour, on a un autre dessin qui arrive, un dessin qui va nous marquer la transition finalement entre le contexte qu'on a dressé depuis 10-15 minutes et où on s'est fait peur un petit peu finalement, on a expliqué les menaces qui existent au sein de l'entreprise ou dans l'entourage de l'entreprise, et puis là on va regarder un petit peu comment on peut réagir avec le facteur humain et le facteur technique. Le dessin arrivera peut-être un petit peu plus tard, on va regarder en tout cas. Comment on peut répondre, comment on peut se protéger? On est une entreprise, alors le dessin, je n'ai pas trouvé virus, mais j'ai un Lego, hop, en télétravail, à la maison, il y a des risques. Ce dessin est peut-être une transition toute trouvée. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, on a parlé des postes fixes qu'on ramène à la maison, on n'a pas du tout parlé du fait du PC personnel qu'on peut utiliser pour un usage professionnel, qui là aussi est une source de risque. Mais bon, j'arrête de soulever des risques, on va peut-être en parler dans les réponses. En tout cas, comment aujourd'hui, je suis une entreprise, j'ai tous ces cas de figure devant moi. J'ai celui qui va travailler, celui ou celle qui va travailler sur un ordinateur personnel, celui qui a ramené son PC fixe, celui qui se connecte sur une connexion non sécurisée, celui ou celle qui n'est pas forcément au fait des dernières attaques en mode phishing ou autre. Comment je peux me protéger et mieux dormir la nuit quand je suis DSI? Les questions sont multiples. Oui, vaste question. Et on a un temps limité. Je n'ai peut-être pas forcément toutes les réponses. Pour répondre sur les collaborateurs qui utilisent le PC domestique, familial, pour travailler, oui, c'est possible. Je pense qu'il faut l'encadrer. De toute façon, ça passe bien sûr par de la gouvernance. Est-ce que l'entreprise doit dire, OK, vous pouvez accéder à des ressources limitées de l'entreprise, comme la messagerie par exemple, moyennant le fait que vous nous garantissiez que la machine ait une solution de sécurité à minima qui couvre les minimums requis, d'avoir un token pour se connecter. Bon, ça je dirais, c'est de la bonne pratique, c'est la charte informatique, c'est une définition de ce que les collaborateurs peuvent ou ne peuvent pas faire sur une machine à titre personnel. Bien sûr, en fonction ça de l'activité de l'entreprise. Ça peut rejoindre même l'utilisation du smartphone qu'on a tous dans notre poche, qui peut être personnel dans un certain nombre de cas et sur lequel on accède à la messagerie de l'entreprise. Donc ça, je dirais que c'est plus de la gouvernance, des bonnes pratiques et surtout de clairement les établir et de pouvoir les mesurer de temps en temps, de les auditer et de pouvoir remettre les collaborateurs non vertueux dans le droit chemin. Bon, ça, c'est un point. Sur la sécurisation des machines, aujourd'hui, bien sûr, avoir des solutions quand on est DSI, là, je pense que je vais pas révolutionner, c'est d'avoir en effet de la sécurité périmétrique, c'est d'avoir de la sécurité sur les différents endpoints, c'est d'avoir des outils qui permettent en effet de remonter
les indicateurs de compromission, donc de l'EDR. Et donc ça, c'est l'EDR, on peut peut-être définir ce que c'est qu'un EDR quand même. L'EDR, si vous voulez, c'est la réponse. Si vous prenez notre offre, en fait, on reprend, nous, les fondamentaux de cybersécurité que l'on a sur un endpoint. Donc c'est une capacité à contrôler les applications, à sécuriser la machine par rapport au comportement, par rapport au comportement des applications de la machine. Donc là, on est sur quelque chose de proactif. Et à pouvoir offrir aussi une brique de réponse, justement à l'incident, si demain on a une machine qui se fait compromettre, de pouvoir remonter des alertes et de pouvoir aller sur cette machine à distance, soit pour remédier, soit pour l'isoler complètement du réseau, pour éviter qu'elle contamine les autres. D'accord. Donc là, on a aujourd'hui cette typologie d'outils dans les mains. Et c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui. Excusez-moi. Pas de souci, si on a la possibilité de vous apporter un verre d'eau, je pense que ce sera une bonne idée pour la fin du workshop. Où toutes les entreprises devraient progressivement basculer sur ces outillages-là. La question, c'est comment on l'exploite. Parce que l'outil en lui-même, il est là, il a des fonctionnalités. On parlait aussi, il faut un humain pour l'opérer. Donc ce peuvent être des partenaires, ce peuvent être les collaborateurs de l'entreprise. Là, on va rentrer aussi dans un champ de compétences, de formation et puis de gouvernance de l'entreprise. Qu'est-ce que l'on surveille? Comment on agit? Comment on interagit avec cette... Oui, parce que finalement, la sécurité, c'est un grand mot. Ensuite, il y a la notion de risque n'est pas la même au sein de toutes les entreprises. Les données ne sont pas forcément critiques au même niveau selon l'activité de l'entreprise. On revient aux enjeux business. Donc, c'est quel business de mon entreprise? Quels sont est-ce que j'ai de la propriété intellectuelle? Est-ce que j'ai un outil industriel qui est critique, qui peut coûter des millions d'euros, je dirais, à installer, et demain, un ransomware arrive, mon outil industriel, il est par terre, et je vais mettre 3 semaines, 1 mois à le rétablir avec tous les coûts économiques, les conséquences économiques que cela peut représenter pour l'entreprise, en termes d'image, en termes de non-livraison à des partenaires économiques et autres. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais l'EDR, c'est pas seulement... Je pense qu'un certain nombre aussi de clients voient l'EDR comme un outil magique. Il n'y a pas d'outil magique. Que l'on parle d'EDR, que l'on parle de firewall ou autre, l'outillage que nous, éditeurs, nous proposons, il a des fonctionnalités qui doivent adresser tous les clients, qu'ils soient petits ou grands, après aux clients de définir quelles features, quelles fonctionnalités il va utiliser par rapport à son contexte. Donc, où sont en effet mes analyses de risque et comment j'utilise l'outil qui est en face. Donc l'outil automatique qui traite tout de façon automatique, pour moi, c'est... On peut automatiser beaucoup de choses, mais il y a un moment où l'humain sera quand même de la partie pour piloter l'ensemble. Et là, donc, effectivement, on a la partie technique, excusez-moi, où la solution va permettre d'identifier quand même, mais en fait, la solution va permettre d'identifier donc un certain nombre de failles ou de comportements, mais en fait, est-ce qu'on peut quand même dire qu'elle vient en support de l'humain ? Alors, oui, parce que finalement, quand on clique sur un lien, là, automatiquement, on peut avoir une alerte rouge qui dit « attention, là, il ne faut pas y aller ». L'outil va remonter un certain nombre d'informations. Donc, bien sûr, il va y avoir des alertes, il va y avoir un certain nombre de remontées d'informations. On peut paramétrer l'outil pour qu'il fasse un certain nombre d'actions en fonction des alertes qui vont être remontées. On peut aussi, dans notre offre, c'est ce qu'on appelle le MDR, Management Detection and Response. Bravo. Et l'intérêt, c'est finalement... On va plus loin, c'est-à-dire que c'est un EDR, mais sur lequel nous, éditeurs, on va nous déléguer le management de cette solution. Donc l'intérêt pour le client, c'est qu'il a un appui-feu qui va plus loin que simplement de dire, voilà, il y a l'outil avec ses fonctionnalités. On amène aussi une notion de service qui va permettre de compiler ou d'identifier les vraies menaces du bruit de fond potentiel qu'on peut avoir. L'humain, vous en parlez depuis, depuis le début de ce workshop, c'est important. Comment on fait? On forme en continu, on fait des tests. Vous parliez tout à l'heure de faux phishing, en fait, de fausses opérations de phishing pour vérifier qu'on est suffisamment alerte sur les sujets. C'est un peu le... Il y a plusieurs choses. Je dirais, il y a tous les collaborateurs de l'entreprise qui ont un PC dans les mains. Il faut impérativement que ces gens-là soient sensibilisés au risque. C'est-à-dire, vous utilisez un outil, vous ne devez pas faire n'importe quoi avec cet outil. Qu'est-ce que c'est qu'un phishing? Les aider à reconnaître ce qu'est un mail malveillant ou un comportement qui pourrait être suspect. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est de la formation continue. Comme dans n'importe quelle entreprise, ça devrait être fait partout, tous les ans et de façon progressive.
la formation des équipes IT, où on a d'excellents collaborateurs aujourd'hui qui sont très bons dans leur domaine, du réseau, du poste de travail, mais comment on leur amène un degré d'éveil, de conscience et de formation supplémentaire sur la cyber. Là, il y a des réponses, on en produit, il y en a d'autres acteurs le font, et puis il y a heureusement une filière française en matière d'université, de grandes écoles d'ingénieurs qui... Parce qu'on a eu quand même pendant quelques années un gap sur le marché d'écoles qui on ne sortait pas suffisamment d'ingénieurs spécialisés en cybersécurité. On a maintenant des filières d'excellence, on a des jeunes qui arrivent sur le marché maintenant en nombre suffisant. Est-ce que ça couvrira tous les besoins ? Non, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins. J'intervenais il n'y a pas très longtemps sur ce sujet. Il faut encourager les jeunes à aller vers les métiers de la cybersécurité. Hommes et femmes, on est investis nous aussi sur cette notion où les femmes doivent amener leur contribution dans la cyber. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous. On a une question d'un collaborateur d'une collaboratrice, pardon, j'ai mal lu le nom, Mélodie, qui nous demande comment peut-on faire en sorte que le VPN soit le plus sécur possible. Donc c'est très spécifique. Vous n'avez peut-être pas forcément toutes les réponses aujourd'hui parce que ça dépend également de la politique de l'entreprise, mais un début de réponse. Alors, pour Mélodie. Je ne suis pas éditeur de VPN, donc je suis utilisateur, heureusement. J'avoue ne pas avoir une réponse précise. Je risque de donner une mauvaise réponse. Moi, à titre, on travaille, nous, avec, en effet, un VPN. On a une authentification qui est forte. Donc, ce n'est pas seulement un mot de passe. C'est avec d'autres technologies. Et ça nous permet de renforcer notre sécurité. Oui. Oui, parce qu'il y a un enjeu vraiment d'usurpation d'identité. Quand on veut rentrer dans un système, en fait, il suffit de se faire passer pour... il faut vérifier que la personne qui se connecte, finalement, est la personne qui est réellement la personne qui est derrière son ordinateur. Donc, on a parlé du côté humain. Il y a une question quand même qu'on se pose quand on est une entreprise ou même un observateur, tout simplement, de ces sujets de cybersécurité ou autre. C'est est-ce qu'on est forcément condamné à être... pas forcément à la traîne vis-à-vis des attaques ou des menaces, mais à être en réaction par rapport aux menaces, ou est-ce qu'on peut être proactif sur le sujet ? On est dans un jeu du chat et de la souris. Les attaquants se sont professionnalisés, c'est un fait. On n'est plus sur le hacker dans son coin avec la capuche, qui fait tout lui-même. On est sur une segmentation du marché de la menace. On a des gens qui sont spécialistes. Donc la chaîne de l'attaque, elle est composée de différentes personnes, de différents groupes, et ils compilent même, on peut avoir des gens qui vont créer un outil, le mettre à disposition d'autres qui vont, eux, générer les attaques. Donc on est sur une industrie. On a vu des faits divers où il y avait même parfois des services après-vente dans certains ransomware. On voit même des assurances. Sur un lot de cartes de crédit de tant de milliers de numéros, s'il y en a qui ne fonctionnent pas, moi je vous garantis, je vous rembourse les numéros qui ne fonctionnent pas. Oui, donc on a vu des choses comme ça. Oui. Bon, donc c'est très professionnel. C'est allé, même après, si on rentre dans le côté noir, si on prend le côté terrorisme, on a bien vu Daesh qui allait même jusqu'à recruter des gens dédiés, spécialisés en cyber, justement, pour créer un certain nombre de choses. Donc, on est forcément dans un monde où les acteurs de cybersécurité et les hackers se livrent une compétition sans vergogne. Bon, ça, c'est un fait. Est-ce que, pour autant, on aura toujours un cran de retard ? Pas forcément. Je dirais que ça passe par l'acquisition et la mise en œuvre des bons outillages et la bonne gouvernance qui va au-dessus. Donc le DSI, le RSSI doivent impérativement être audibles au niveau du comité de direction de l'entreprise, doivent impérativement marteler sans cesse un discours que l'entreprise est potentiellement vulnérable. C'est pas être alarmiste, c'est simplement être réaliste face à un environnement et dans lequel aujourd'hui la fragilité des entreprises, parce qu'elles ont des systèmes qui sont de plus en plus ouverts, parce qu'elles travaillent avec des partenaires à l'international ou en local, ont des systèmes informatiques ouverts et donc potentiellement attaquables. Et il faut impérativement que les DSI soient audibles au niveau des comités de direction. C'est indispensable.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Bertrand Trastour, général manager France et Afrique chez Kaspersky. Merci à vous également de nous avoir suivis, de nous avoir suivis de manière proactive. On n'a pas pu prendre toutes les questions. On a notamment une question de Jean qui nous demandait si on pouvait avoir une distinction plus précise entre l'antivirus et l'EDR. Bah, on vous répondra directement sur le chat, même si on a eu un certain nombre d'éléments sur ce plateau. Merci, Bertrand Trastour. Merci à vous. Et merci à vous.